Hey, salut tout le monde, c'est Arwol, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va vraiment super. Ça fait tellement longtemps que je vous ai pu parler comme ça, face à face, abonnés envers moi et moi envers mes abonnés. En tout cas ça fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors voilà, aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous parler. Comme je vous ai dit, ça fait super longtemps que je vous ai vraiment pu parler face à face, donc il y a pas mal de choses que j'aimerais vous dire, il y a des choses que vous avez besoin de savoir. Et voilà, aujourd'hui je voudrais vous présenter un peu qu'est-ce que va devenir ma chaîne YouTube, qu'est-ce que je compte faire, quelles sont mes envies, comment ça se passe maintenant un peu dans ma vie. Voilà, je sais que j'ai été inactif ces derniers temps, que j'ai vraiment repris ma chaîne il y a une semaine. Mais voilà, je vais pas passer mon temps à présenter mes excuses, voilà, vous le savez, ça arrive pour tout youtubeur des moments où on est un peu moins motivé. Donc, alors moi, vous le savez, je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, je vais pas me répéter, les jeux vidéo c'est un peu voilà du passé, je les laisse un peu de côté, j'y joue que de temps en temps, ça me fait plaisir de faire une ou deux vidéos dessus, donc voilà, vous inquiétez pas, il y aura toujours un peu de jeux vidéo sur ma chaîne, mais sans, voilà, on va limiter le call-off évidemment, ce sera plus des montages ni rien, ça, il faut bien sûr vous en douter. Donc voilà, ce que je voulais dire c'est qu'il y a, depuis un an, j'ai commencé à faire des vidéos un peu plus humoristiques, je m'explique, donc Bazookam, ça vous le savez. Ici Pacific Sun 3003, évidemment les interviews que j'ai faites avec lui, c'est évidemment des vidéos un peu plus humoristiques. Donc voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir de les faire, de faire le montage, et c'est à peu près, je trouve, ce qui me correspond le mieux. Je me suis cherché ces derniers temps, j'ai essayé de chercher quel type de vidéo me correspondait le mieux, et j'ai trouvé qu'au final c'était pas vraiment les jeux vidéo, ou bien c'était les jeux vidéo mais de façon un peu humoristique. Donc c'était toujours, voilà, déconner, ne pas du tout se prendre au sérieux, ne pas se prendre la tête, et justement plus voilà, plus rigoler, je sais pas comment vous expliquer, dans l'humour quoi, vraiment ça. Donc moi Bazookam ça me correspondait bien, mais faire toujours le même c'est pas vraiment ce que j'aime, donc j'essaye de diversifier. Là il y a une camionnette qui vient de passer, merci à toi. J'essaye de diversifier à fond mes vidéos, mais rester toujours dans ce que j'aime faire, donc que ce soit dans l'IRL, que ce soit dans les jeux vidéo ou quoi que ce soit, j'essaie vraiment de rester moi-même. Alors, donc, maintenant ici, vous avez vu mes dernières vidéos qui sont sorties, donc, ou mes prochaines vidéos, je sais pas encore quand elles sortiront, mais voilà, je vais sortir des vidéos vlog. Je me lance un peu dans le vlog, parce que j'adore faire ça. Maintenant, je dis pas, je sortirai pas des vidéos tous les jours, peut-être une toutes les deux semaines, enfin, je veux dire un vlog toutes les deux semaines, c'est ça que je voulais dire. Je sais pas encore, franchement je préfère rien vous promettre, comme ça je fais pas de faux espoirs. Oui, j'ai juste oublié de vous parler, c'est un gameplay sur Ghost au VKS, donc au Sniper, c'est un gameplay qui date de quelques mois, 3-4 mois je pense, voilà, c'est un gameplay plutôt de type moyen, donc rien de incroyable et voilà, normal quoi. Ou sinon je voulais vous dire que je veux tourner donc des vidéos plus humoristiques, plus vlog, c'est ce qui me correspond le mieux actuellement. Donc comme vous le savez, là je suis chez moi, vous connaissez le décor, je suis pas, enfin vous avez toujours pas vu mon appartement, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo là-dessus, mais c'est vrai que je voulais toujours pas montrer, c'est un peu dommage, vu que vous faites un peu partie de ma vie, voilà, on arrive tout doucement aux 3800 abonnés, ça me fait super plaisir. Pourquoi je remets toujours mes cheveux? Bah tout simplement parce qu'il fait super chaud, il fait une chaleur de fou aujourd'hui, au moins 30, non je dis pas 38 degrés, mais 28-29 degrés. Et c'est horrible, j'ai un ventilateur derrière moi, mais il fait extrêmement beaucoup de bruit, du coup je l'ai pas mis ici pour la vidéo, parce que sinon bah vous alliez pas m'entendre. Mais du coup j'ai chaud, mes cheveux retombent tout le temps, et c'est horrible, mais c'est pas grave, on fait avec. Ouais, ou sinon, là, j'étais occupé de jouer à Call of, vous savez quoi, et ça m'a fait plaisir, mais c'est pas pour autant que je vais en faire des vidéos tous les jours. Donc ceux qui me suivent seulement pour le Call of, mettez-moi en commentaire ce qui vous ferait plaisir, comme ça bah je fais des vidéos pour vous toutes les 3 semaines, je dirais toutes les 2 semaines, enfin, en fait, j'ai envie de parler un peu pour l'ensemble de ma communauté, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, honnêtement, quelles sont les vidéos qui vous ont le plus plu, parce que j'ai pas énormément de retours, j'ai l'impression de, pas d'être seul face à ma communauté, mais de parler, et puis de pas forcément d'avoir de retour, donc je compte sur vous ici pour entendre ce que vous avez à me dire, pour entendre ce que je vous pose comme question, n'hésitez pas en commentaire, allez-y, même en message privé ou quoi. Oh le bel éclair, je sais pas si vous venez de le voir, mais il y avait un énorme éclair qui vient d'apparaître. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, dites-le moi dans les commentaires. Même quelque chose que j'ai pas encore fait, vous voyez, il n'y a pas de souci que ce soit, je sais pas moi, un type de vidéo que j'ai pas encore fait, pourquoi pas, peut-être que ça va m'ouvrir les yeux.
peut-être. Cet orage est énorme, les gars. À mon avis, on va se prendre une douche énorme sur la tête. Enfin bref, donc n'hésitez surtout pas, même si c'est un style que je fais pas d'habitude. Je sais pas si vous entendez, les gars, mais c'est un truc de fou. Il y a genre un énorme orage qui est juste là à côté. Qui toque à ma fenêtre. Non, donc voilà. Les vidéos sur Bazookam, bien sûr, je vais continuer. J'ai encore quelques petits clips qui vont arriver. Enfin, voilà, quelques petits épisodes. Comme d'habitude, ils se retrouveront sur la Play You Dreams, donc la chaîne communautaire de Tonio, qui a atteint les 40 000 abonnés. Donc félicitations à eux. Je les remercie pour m'upload à chaque fois quand il s'agit de mes vidéos humoristiques. Franchement, ça me fait super plaisir. Et ça m'aide grandement dans l'avancement de ma chaîne YouTube. Donc comme je disais, on arrive tout doucement aux 3800 abonnés. Voilà, c'est une super belle communauté, je suis super content, même si c'est pas énorme, je reste super content, ça me fait énormément plaisir. Comme vous voyez aussi, j'ai le nouvel overlay, voilà, qui a été créé par Snix. Je pense que c'est toi qui l'as créé, je ne suis pas sûr parce que ça remonte aussi il y a longtemps. J'avais refait tout mon design. Maintenant, est-ce que c'est Snix ou bien est-ce que c'est... Tinta, est-ce que c'est Valentin? Je ne sais pas, enfin dites-le moi si c'est vous dans les commentaires, enfin voilà. Donc les gars, pour ma part, j'ai dit ce que j'avais à vous dire. Je vais vous laisser avec le gameplay, je sais même pas s'il est déjà fini ou j'en sais rien du tout, je l'ai pas sous les yeux. Donc je vous dis à plus tard, portez-vous bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.